Nous allons parler de l'Église de Dieu. Amen. L'Église. On entend beaucoup de gens dire qu'ils sont chrétiens. Et beaucoup sont, comme vous le savez, idolâtres. Beaucoup s'attendent toujours aux hommes. Et nous allons partager vraiment sur l'Église pour que chacun ait à moins les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend, mais que les enfants du Seigneur connaissent leur position, leur identité, que ceux et celles qui font partie de l'Ecclésia, de l'Église du Seigneur, sachent ce que Dieu attend d'eux. Amen. Et ce ne sont pas, bien sûr, comme vous le savez, toutes les personnes qui se retrouvent dans les assemblées qui sont de Dieu. Alors, les enseignements que ça nous donne sont là pour éclairer donc, les enfants du Seigneur, les amener à aller plus vers le Seigneur. Et pour ceux qui ne changeront jamais parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, mais qui font quand même partie de ces rassemblements, ben, ce sera comme un jugement pour eux. Voilà. De manière à ce que quand le Seigneur va revenir lors du jugement, ces personnes ne pourront jamais dire qu'elles n'avaient pas entendu. Amen. Voilà, l'Église de Dieu. Je ne parle pas de ce mouvement pentecôtiste qui s'appelle l'Église de l'Assemblée de Dieu. Mais l'Église de Dieu, c'est l'Église selon la vision du Créateur, la vision de son fondateur. Et pourquoi l'Église de Dieu? C'est simple, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Il a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, verset 18. Je partageais cela vite fait avec des frères à côté. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros. Pétros. Un petit caillou. Alléluia. Église, l'Église de Dieu. Premièrement, le Seigneur dit, il parle de Pétros. Et moi, je te dis que tu es Pétros, Pierre. Donc, comme vous le savez ici, l'accent n'est pas mis sur le prénom de cet homme, mais plutôt sur le caractère. Le caractère. Et, ou sur le matériau, d'abord. Hein, voilà, la pierre. Et ensuite, l'accent est mis sur, non seulement sur le matériau, que la pierre, mais sur le caractère de ce matériau, c'est-à-dire sa stabilité, sa fermeté, et voilà, et le fait aussi que cette pierre reflète la lumière du Seigneur. Cette pierre, c'est quoi? C'est une pierre, c'est comme un diamant, voilà, qui va refléter la lumière du soleil, qui ne produit pas la lumière, mais qui ne fait que refléter la lumière du soleil. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait dire ici, quand il parle de Pétros. Donc, il ne voit pas seulement l'individu, ici Pierre, en tant qu'individu, mais il voit toutes les pierres avec lesquelles il allait bâtir son ecclésia. Donc, nous comprenons que Yeshua bâtit, comme vous le savez, hein, c'est juste un rappel pour beaucoup, bâtit son ecclésia avec des pierres et non avec des briques. Voilà. Et donc, une pierre, les pierres nous parlent de la stabilité, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, ben, cette pierre, elle ne bouge pas. Voilà. Et voilà pourquoi il dit, et moi je te dis que tu es Pétros, donc pierre, et que sur ce roc, deuxièmement, ici c'est Pétra. C'est du grec Pétra, c'est-à-dire le roc. Le fondement, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi nous parlons de l'église de Dieu ou de l'église de Jésus. Voilà. Donc, troisièmement, il dit qu'il bâtira. Hein, je bâtirai. Et ensuite,
Il dit, mon ecclésia. Il faut s'assurer, il faut se poser la question, hein, chaque chrétien doit se poser la question, est-ce que je fais partie de l'église du Seigneur ou d'une autre église? Alors, pourquoi le Seigneur va dire mon ecclésia? Alors, il faut savoir que pour les apôtres, le mot, hein, le nom ecclésia n'était pas du tout nouveau pour eux. Ils le connaissaient déjà. Parce que les Grecs avaient aussi des ecclésias. Même bien avant les Grecs, les Hébreux qui sont sortis de l'Égypte et qui ont fait 40 ans de marche, de pèlerinage dans le désert de Sinaï, étaient aussi une église. Vous voyez ? Donc, en fait, la première église, c'est celle de Moïse. Moïse est allé chercher cette église en Égypte et cette église, ben justement, marchait de l'Égypte jusqu'à Canaan. Donc, les apôtres connaissaient l'Ecclésia déjà. Et particulièrement l'église, les églises grecques. Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur va parler de l'Ecclésia ? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé un autre nom, mot, une expression, tout ça ? Mais pourquoi Ecclésia ? Il dit bien « mon Ecclésia ». Et comme vous le savez, à chaque fois que vous entendez un pasteur dire « c'est mon église ben, », c'est simple, quittez-la. Voilà, c'est simple. Si je suis dans une assemblée et qu'un pasteur me dit « c'est mon église ici ben, », c'est simple, je prends mes clics et clacs, je sors. Il ne faut même pas rester parce que vous allez être vous risquez d'être des esclaves et, de cet homme. Donc, des pierres, et vous savez, quand on regarde même dans la nature, les pierres sont façonnées par la pression des eaux, hein, à l'insu de tout le monde. Contrairement aux briques de Genèse 11, faisons des briques avec du ciment, avec de l'argile. Vous voyez ? Les pierres sont façonnées par la pression des eaux, par la chaleur, sous terre, pendant des milliers et des milliers d'années. Et si vous le voyez, vous voyez ce diamant, vous allez waouh, apprécier la beauté de cette pierre, mais pourtant, si cette pierre vous dit par quel mécanisme elle est passée, qu'est-ce qu'elle a subi comme pression pour avoir ce résultat, ben, vous allez vous dire, ben, dis donc, ben, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc la stabilité. Le Seigneur bâtit l'Église avec des hommes et des femmes qui ont un caractère stable, qui ne sont pas, oui, ils sont pas ballottés par tout vent de doctrine. Non, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont reçu de Dieu les moyens pour contrôler leurs sentiments, leurs émotions. Vous voyez, parce que nous sommes des êtres émotionnels, des êtres sentimentaux. Voilà l'être humain. C'est une âme, un esprit ayant une âme, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, le sang, et habitant un corps physique. Vous voyez, comme une main qui habite, une main qui est dans un gant. Vous voyez, comme un pied dans une chaussette, dans une chaussure. Voilà. Donc maintenant, cet être humain, qui est cet homme, cet individu qui est d'abord un esprit. Si son âme, ses émotions ne sont pas contrôlées, eh ben, son esprit sera contrôlé, dirigé par les émotions. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'être stable au niveau des sentiments, hein, par rapport au sexe, par rapport à l'argent, par rapport à la colère, hein, par rapport au mensonge. Et si au niveau de l'âme, il n'y a pas de stabilité, là, c'est fini. L'idolâtrie, par exemple. Voilà. Des gens qui vont dire, mais est-ce que le pasteur est venu te voir, tout ça? Mais non, mais pourquoi quand même? Vous voyez, mais Dieu est là, c'est le plus important. Vous voyez, ce côté-là, c'est pour ça que beaucoup de gens baissent les bras facilement. La moindre tentation, ils tombent. La moindre épreuve, ils abandonnent la foi parce qu'ils ne sont pas stables. Ce ne sont pas des pierres, ce sont des briques. Ce sont des briques qui peuvent se casser facilement. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, c'est moi qui bâtis cette église-là. Vous voyez ? Et il a bâti, donc il prend des hommes et des femmes, comme vous le savez, issus de toutes les nationalités, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Et c'est lui-même, en tant que potier, qui les façonne. Ces hommes et ces femmes,
passe par les mains du Seigneur et pas par une école biblique, tout ça, où, oui, ils peuvent, je ne sais pas, se former comme c'est le cas, mais la vraie formation, ce n'est pas celle-ci. C'est celle que Dieu nous donne dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Parce qu'on voit des chrétiens, soi-disant, qui sont là, même qui viennent, ils viennent au programme ici, chez nous, à Didasco, ils se forment, mais ils sont toujours idolâtres. Comment vous pouvez expliquer ça? Ils sont toujours, ils ont toujours des problèmes, ils vont haïr leurs frères, haïr leurs sœurs, ils vont mentir, ils vont... Vous voyez, c'est ce côté instable-là, ce ne sont pas des pierres. Moi, je pense qu'il y en a, ils sont simplement des accompagnateurs. Et on a besoin de cette stabilité-là. Vous voyez, ces chrétiens qui vont d'église en église, de prédicateur à prédicateur, c'est qui ne comprennent pas qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin de se retrouver devant le Père, devant Dieu, d'être avec le Seigneur. Voilà, comme Marie qui était assise au pied du Maître, voyez, et qui ne bougeait pas. Vous voyez, la stabilité, c'est important. Et vous, vous voyez, beaucoup de chrétiens sont comme cette plante qui va être, vous voyez, qui est plantée quelque part et qu'on va déraciner en permanence. Mais comment voulez-vous que cette plante ait des racines profondément ancrées dans le sol? Comment voulez-vous que ces racines aillent profondément dans le sol pour chercher la sève, les vitamines dont les fruits ont besoin? Comment voulez-vous que cet arbre, cette plante porte des fruits qui arrivent à maturité et nourrissent les gens? Comment voulez-vous même que des oiseaux viennent s'abriter sous son ombre? Parce qu'elle est en permanence, cette plante, déracinée, plantée là, déracinée. Vous voyez cette instabilité? Voilà. Donc, des chrétiens yo-yo, des chrétiens instables. On a besoin de la stabilité, on a besoin de la constance. Vous voyez? Ça, c'est important. Les Écritures nous parlent de la persévérance. Les Écritures nous parlent de la patience. La patience, persévérance, patience, viennent en fait, d'un même mot grec. C'est le même mot. Et quand on parle de la persévérance ou de la patience, on voit aussi les obstacles. Vous voyez, malgré les obstacles, eh ben, on persévère. Voilà, on ne baisse pas les bras. On n'est pas du genre des chrétiens qui se disent, ouais, mais aujourd'hui je sens Dieu, demain je ne le sens pas, mais il est où? Non, on n'a pas besoin des émotions. On n'a pas besoin de sentir Dieu. On ne sent pas Dieu. Là, je sens sa présence parce que je sens ma chair, tout ça. Non, ça c'est complètement charnel, complètement enfant, puéril, hein, complètement un chrétien stable. Même s'il ne sent pas Dieu, il sait que sa parole est là. Il sait que Dieu a promis des choses qu'il ne peut que réaliser parce qu'il ne ment pas. Donc celui qui est encore dans les sentiments, qui marche encore avec les sens, là, vous savez, il faut que je sente, il faut que je voie, ben, il n'ira pas loin avec le Seigneur. Et ils vont t'acclamer aujourd'hui, ils vont dire que tu es un frère, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Demain, ils vont dire que tu es sorcier, tu es ci, tu es ça. Voilà. Trop d'émotions parmi les hommes. Trop de sentiments. Un jour, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je veux t'enlever par une plaie soudaine, celle qui fait les délices de tes yeux. Mais il ne faudrait pas que tu portes le deuil, ne pleure pas. Voilà comment le Seigneur façonne ces enfants-là. Un homme qui va voir le Seigneur, il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père, ensuite je te suivrai. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer la parole. Vous voyez ce côté-là où Dieu va, n'est-ce pas, que Dieu va briser ce côté de l'homme, où l'homme, ben, où il va être faible sur le plan sentimental, émotionnel, tout ça, et où il va facilement baisser les bras face à une belle femme, face à un bel homme, facilement être dans l'idolâtrie parce que, waouh, vous voyez, c'est ce côté-là, là, s'il ne veut pas travailler, là, Dieu ne peut même pas te confier de grandes responsabilités. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il dit à Pierre, ici, la papa de son église, il dit d'abord, il commence d'abord par dire Petros. C'est pour cela qu'il a changé son nom. Il a dit, tu ne seras plus appelé Pierre, Simon, on t'appellera Pierre, voyez. Donc il a changé, en changeant le prénom de cet homme, dans l'esprit, il changeait sa nature, il changeait son caractère. Voyez, regardez bien, dans la vie, vous avez au moins 5 choses qu'il faut maîtriser. La première des choses, c'est la vision. C'est l'appel, pardon. L'appel. Aussi bien pour les inconvertis que pour les chrétiens. Tout homme est appelé à faire quelque chose, qu'il soit chrétien, qu'il soit athée, je ne sais pas, qu'il soit croyant ou pas, tout homme a reçu quelque chose, donc l'appel. Maintenant, chaque homme doit connaître son appel. Appel ou encore vocation. Nous parlons de l'Église, hein, mais il faut que je sens que Dieu me pousse à parler comme ça pour nous aider.
Donc la vocation, quelle est ta vocation? C'est quoi ton appel? Dans ta vie, tu es sur terre, non? Tu es là pour une mission. Tu n'es pas là pour manger, dormir. Tu es là pour accomplir une œuvre. Alors, quelle est ta vocation? L'appel. La première des choses, c'est ça. C'est, l'Église doit connaître sa position, son appel. Chaque chrétien, étant membre d'un corps, doit connaître son appel, sa vocation pour ne pas être dans la convoitise vis-à-vis de l'appel des uns des autres. Pour ne pas se sentir inférieur, être complexé par rapport aux autres. La deuxième des choses à savoir, c'est la vision. Tu reçois un appel, tu sens une vocation. Maintenant, c'est quoi ta vision? La vision, c'est comme l'œil. C'est comme tes yeux. La vision. La vision, on la définit comme l'influence. La vision que tu as, c'est ce qui va influencer, elle va influencer ta vie. Toute ta vie, même ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, ta manière de manger. La vision doit t'influencer. Vous avez vu? Quel est l'appel de l'Église? Regardez bien, Ecclésia, on va le voir tout à l'heure. Vous avez ek, le préfixe ek, ek, qui veut dire hors de. D'accord? Vous avez klesis ou klesia qui veut dire appel. Appelé hors de. C'est pour ça qu'on parle de l'appel. L'Église de Yeshua a reçu un appel. Maintenant, toi qui es membre de cette Église, si tu ne connais pas ton appel, si tu ne connais pas ta vocation, mais tu vas aller d'église en église, mais pas. Tu vas faire d'église en église, mais ce sont les églises des hommes. Et tu seras manipulé, tu vas être dépouillé, tu vas être écrabouillé. Et même dans la société, dans une société au sein de laquelle tu vis, tu peux être manipulé, tu peux être, passer à côté de beaucoup de choses parce que tu ne te connais pas, tu ne sais pas quel est ton appel et quelle est ta vision. Et vous savez, quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui va suivre n'importe qui, n'importe quoi. Voilà. Il n'y a pas de vision. La vision est comme un principe directeur. Vous voyez, quelque chose qui te dirige, quelque chose que, vous voyez, tu es focalisé sur la chose et tu sais que tu sens comme un feu qui bouillonne en toi. Vous voyez? Et ça, c'est important. Donc, l'Église du Seigneur, le mot Église veut dire appeler d'eux, des hommes et des femmes appelés hors d'eux. Donc, nous sommes toujours appelés et c'est un appel perpétuel. Donc, tous les jours, Dieu nous appelle à sortir des choses, de nos coutumes, de nos traditions, de nos mentalités, du péché, de mauvaises pensées, de l'orgueil, de tout ça là, de la cupidité. Tous les jours, nous grandissons. Donc, tous les jours, Dieu nous appelle à aller plus loin. C'est pour ça que la religion, c'est quoi? La religion, c'est un lac. Un lac ne bouge pas. Un lac ne coule pas, c'est ce que je veux dire. Vous voyez? Mais l'Église, c'est une rivière, un fleuve. Donc, ça coule. Et ça peut donner des bras. Vous voyez, ça peut... Il y a des bras comme dans Genèse, on nous dit qu'il y avait un fleuve qui avait quatre bras. Vous voyez? Donc ça, c'est important, c'est l'Église. Donc il y a un mouvement. Mais la religion, c'est le fait, c'est comme un lac, ça stagne, ça ne bouge pas. Donc on n'évolue pas. Et donc il n'y a pas de vision, pas d'appel, et il n'y a rien. Donc l'Église du Seigneur a reçu un appel. L'Église du Seigneur a une vision. Vous voyez? Donc vision, mission, objectif à atteindre. Et d'ailleurs, c'est ça la définition même de la vie. La vie est un ensemble d'objectifs que nous nous fixons et que nous cherchons à atteindre. Voilà. Et d'ailleurs, regardez bien. Lorsque un homme et une femme vont ensemble, selon les scientifiques, il y a plus de 50 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés lors des rapports sexuels. Et si vous voyez l'image, là, les 50 millions de spermatozoïdes là, entament une course. Vous voyez? Vers l'ovule. Et l'ovule, maintenant, sécrète un liquide très toxique qui tue les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes doivent esquiver ces attaques-là. Et
Il n'y en a qu'un seul qui atteint l'ovule. Et quand il arrive à atteindre l'ovule, ben il va, n'est-ce pas, se battre pour ouvrir la paroi. Et une fois qu'il est dedans, ben ça se referme. Et les autres meurent. Et une fois qu'il est dedans, et bien il a fécondé. Vous voyez la vision du spermatozoïde? Et tu es là, tel que tu es là, tel que je suis là. Nous sommes des spermatozoïdes. Du grec sperma, semence. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Alors, tu vois déjà dès ta conception là, tu as entamé une course. Tu avais une vision. Tu ne te préoccupais pas de ce que les autres faisaient à gauche, à droite. Un visionnaire ne doit pas s'arrêter sur les dires des gens, des voisins, mais il doit avoir une vision devant, qui est devant. Voilà. Mais imaginez maintenant, 9 mois après, tu es né en criant. Oh, oh, oh. Maintenant, ben, toute la vie, c'est ça. Donc, des objectifs. Parce qu'il y a un appel. Alors, c'est pour cela qu'il faut d'abord travailler le caractère. Donc, il y a l'appel, il y a la vision et il y a l'onction, l'équipement, la force. Parce que tu peux avoir un appel, tu peux avoir une vision, mais si tu n'as pas les moyens pour accomplir cette vision, eh ben, tu vas échouer. C'est pour cela qu'il y a l'onction. L'onction, ce n'est pas quand on tombe sur terre, forcément. Ben, beaucoup de gens limitent l'onction à cela. L'onction, c'est une capacité que Dieu te donne. Il y en a, ils ont l'onction pour, n'est-ce pas, pour chanter. Il y en a, ils ont l'onction pour exhorter. D'autres ont l'onction pour s'occuper des pauvres, des capacités. Vous voyez? Maintenant, chacun doit connaître aussi ses capacités, sa force, ses moyens. Ça, c'est la troisième des choses. Donc, l'onction, l'Église de Dieu a un appel. L'Église de Dieu a une mission, une vision. L'Église de Dieu a l'onction. Parce que c'est un corps. Et chaque membre a une fonction qui lui est attribuée. Avec la force qui va avec, avec les moyens qui vont avec. Ça, c'est la troisième chose, l'onction. Donc, ça ne sert à rien de chercher un pasteur ou un prédicateur, même moi, pour qu'on vous impose, qu'on t'impose les mains afin de recevoir l'onction. Ça ne sert à rien. Vous ne l'aurez jamais. Non. C'est Dieu qui équipe. Dieu ne peut pas. Dieu est le roi des rois. On est d'accord, non? Dieu a une armée. On est d'accord. On l'appelle le Dieu des armées. On l'appelle Dieu de l'armée. Mais Dieu des armées. À part l'armée angélique, ou je dirais à part les armées angéliques, parce que parmi les anges, il y a plusieurs armées. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, hein, pour que vous. Il y a l'armée des guerriers, dont l'un des chefs est Michael. Il y a l'armée des chérubins, des anges messagers aussi, hein, dont l'un des chefs est, hein, l'un des connus, le plus connu, c'est Gabriel. Vous voyez? Tout ça. Il n'y a pas ces armées-là, célestes-là. Il y a aussi l'armée terrestre, l'Église. Vous voyez? Maintenant, Dieu, en tant que roi, dans cette armée terrestre dont nous faisons partie, eh bien, vous avez des généraux. Pas ceux-là qui vont sur YouTube qui disent, qui s'appellent généraux, là, comme le général, ce pasteur général là, qui vient de la Côte d'Ivoire. Là. Ce sont des voyous. Mais des hommes et des femmes qui sont positionnés par le Seigneur pour parler à des millions de gens. Et vous avez aussi des commandos. Vous avez des commandos. Vous avez des gens qui travaillent dans l'ombre, comme un corps. Le foie, tout ça, les organes internes, on ne le voit pas, mais ce sont des organes vitaux. Vous voyez, non? Il y en a, dans cette armée, ils sont les mains, d'autres les pieds, d'autres les genoux, d'autres les narines, d'autres les cheveux. Enfin, la tête, c'est Yeshua lui-même. Et vous voyez, non? Alors, imaginez maintenant Dieu qui est le roi des rois, qui est des soldats que nous sommes dans son armée, parce que nous sommes des soldats. Paul dit, hein, comme un soldat. C'est écrit, non? Dans 2 Timothée.
Vrai ou faux? Donc nous sommes des soldats. Qui savait qu'il était un soldat? Maintenant, en tant que soldat, tu vas chercher l'équipement auprès de tes collègues? Non. Vous avez déjà vu un soldat de l'armée française qui va aller voir un autre caporal pour lui demander l'équipement? Il va aller voir le chef des armées pour lui dire, il me manque un équipement. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de demander. Quand le chef de l'armée française embauche les soldats, là, donc il les forme. Vrai ou faux? Il y a un entraînement, vrai ou faux? Donc quand toi tu pleures là, c'est un entraînement. Quand on t'insulte, c'est un entraînement. Alléluia. Quand tu pleures, c'est un entraînement. Quand Satan t'attaque, ne t'occupe pas de Satan. Toi, adore Dieu. C'est un entraînement. Donc, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, mais tu sais, il me manque telle chose. Non. Dieu, il t'entraîne et ensuite, il t'équipe. Oh Seigneur, donne-moi l'onction. Mais pourquoi tu pries comme ça? Il y a des prières qu'il ne faut pas faire. L'onction, c'est pour le service. Seigneur, donne-moi l'onction de tel prédicateur. Il y en a qui prient comme ça, touche les écrans là. Vous allez recevoir l'onction là, tout ça, mon onction. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est juste une parenthèse. Bon, bref. Donc, on a dit quoi? Il y a l'appel. Il y a la vision, il y a l'onction, et quatrièmement, il y a quoi? Eh bien, il y a le caractère. Pour que la mission de l'Église soit réalisée totalement, correctement, il faut que cette Église ait reçu un appel. Deuxièmement, il faut qu'elle ait reçu vision, une mission, des objectifs clairs et bien définis. Et ensuite, l'équipement, donc l'onction. Et surtout, il faut le caractère. Dans le caractère, qu'est-ce qu'on voit? En fait, dans l'onction, on peut voir, par exemple, les dons de l'esprit. Dons de puissance, dons de foi, tout ça, hein, dont il est question dans 1 Corinthiens 12. Et dans le caractère, nous avons Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Parce que pour aider, imagine que Dieu t'envoie auprès des pauvres, des SDF. Mais si tu regardes à leur apparence extérieure, à leur apparence, tu ne vas pas les aider. Tu ne pourras pas accomplir ta mission. Donc, on ne peut pas être chrétien et être raciste. Parce que l'amour dont il est question ici, est transcendantal. C'est-à-dire, je veux t'aimer malgré moi. Je t'aime malgré moi. Parce que je l'ai reçu de Dieu. C'est pour cela que Yeshua a dit, priez pour ceux qui vous accusent faussement. Quelqu'un demande au Seigneur, donne-moi l'amour. Dieu dit, je veux te donner l'amour, il n'y a pas de problème. Déjà, tu l'as reçu, mais tu ne comprends toujours pas. Maintenant, je veux te mettre face à une situation donnée afin que tu manifestes l'amour. Et Dieu permet que quelqu'un de proche à l'assemblée te parle mal. Et Dieu regarde maintenant ta réaction. Et toi, au lieu de prier pour la personne, du Seigneur, je l'aime encore plus. Tu vas commencer à chanter partout. Tu sais, il m'a fait ça, mais ils sont méchants, ils sont ci, ils sont ça. Toi, tu ne fais que te plaindre. Et tu peux même disparaître quelques jours, après tu réapparais encore. Dieu dit, non, tu n'as rien compris. Je suis convaincu que je parle à quelqu'un ici. Oh Seigneur, sauve-nous. Waouh. C'est facile d'emmagasiner le verset biblique. Hein? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Il a dit ça. C'est écrit telle chose. Ok. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que les démons font la même chose. Ils mémorisent aussi. Mais maintenant, le problème, c'est. Comment faire pour vivre la parole? Seigneur, donne-moi l'humilité, s'il te plaît, Père. Je veux être humble comme toi. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Démon, oui. Démon d'orgueil, viens. Oui, maître. Bon, ben, tu vas secouer un peu mon fils, là.
Et tac, il y a un passant comme ça, qui n'est pas chrétien, le démon rentre en lui. Le passant, il t'écrase le pied comme ça. Ah! Moi, on ne fait pas ça avec moi. Attends, tu sais qui je suis là? Renseigne-toi à mon passé là. Hein? Tu as bien dit ton passé. Alléluia. Et Dieu dit, ah, dis donc, tu m'as demandé l'humilité, et voilà l'occasion pour pouvoir manifester l'humilité. Seigneur, donne-moi à être vraiment ton serviteur, à être une femme humble. Dieu dit, ok, pas de problème. Le lendemain matin, tu te lèves le matin, tu brosses tes dents, tu te laves, tu prends le métro, tu vas au boulot, tu arrives comme ça, ton patron qui a toujours été correct avec toi ce jour-là, visage fermé. Madame, vous allez faire tel boulot, mais je ne suis pas là, mais sur le contrat, c'est pas écrit, je dois balayer. Hein. Si, aujourd'hui, vous allez, la femme de ménage n'est pas venue, mais vous allez nettoyer les toilettes. Ah non, ah non. Et tu ne nettoies pas. Et le soir, tu es là, chez toi de nouveau, tu rentres à la maison. Hein. Seigneur, donne-moi l'humilité. Dieu dit, si, je te l'ai donné. Mais comment? Ben oui, ton patron. Il t'a dit d'aller nettoyer les toilettes. Tu as refusé. Mais tu ne sais pas que si tu avais obéi, j'aurais touché son cœur. Oula! Qui sent qu'il a des progrès à faire là? Alléluia! Seigneur, sauve-nous, hein? Oh mon Dieu! Heureusement que Dieu est amour, parce que je vous assure, on est tous mal barrés là. Waouh! Seigneur, je vais te former. Dieu dit oui, c'est bien. Mais nous, dans notre tête là, on va prendre l'avion, aller aux US, s'inscrire dans une grande fac chrétienne, se remplir le crâne de la philosophie. Dieu dit, ben, je vais m'occuper de toi, comme j'ai toujours fait. Eh ben, je veux utiliser ton patron. Tu as fait 30 ans dans cette entreprise. Voilà un jeune qui arrive comme ça là. On te dit, il faut lui apprendre le métier, et c'est lui qui va te gérer. Ouh! Ah, ils sont racistes. Alors ils sont racistes, la France est raciste. Ouh, Seigneur! Ah non, moi les Antillais, je ne veux plus de patrons Antillais, j'en veux plus. Ah, les patrons africains, j'en veux plus. Les Africains, ils sont bizarres, non? Les Blancs? Oh non, c'est pas la même. Ouh, le Dieu dit, bah, tiens, je vais bien te façonner là. Il va tellement te briser, te former pour que tu aies son caractère comme Pierre, hein, Petros. Il va tellement te briser que quand tu auras maintenant affaire à ton patron, à son comportement, hein, à son caractère, à cariatre, tout ça, tu vas finir par dire, Seigneur, que ton nom soit béni. Ouais, la femme de Job qui vient voir son mari pour lui dire, bah, tiens, bénis Dieu et meurs. Waouh, Job. Quel brisement. Vous voyez, hein, le caractère. Le caractère. Waouh! L'amour. Là, on touche vraiment l'amour. Hein. La joie. Oula! Vous avez des frères et sœurs, leur visage tout. On dit non, la sœur Intel arrive. Oula! Alors la joie, les gens pensent que la joie, c'est quand il y a le mariage. On dit, oh, on est dans la joie, merci Seigneur. Mais les païens ont la même joie. Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. La joie, selon Dieu, ce n'est pas quand tu te maries. Ce n'est pas quand tu as un boulot. Parce que c'est la même joie que les inconvertis. La joie, selon Dieu, c'est quand tu es dans les chaînes. Et c'est là que Paul dit, réjouissez-vous. Philippiens 3. Je le répète, réjouissez, il est enchaîné. La joie. Mm-hmm. C'est dans les épreuves qu'on saura si tu as la joie. Mais toi, un petit bobo comme ça, nous tout le monde, hein. Tu m'as abandonné, hein. Oh, le frère Chora, il est où, le frère Chora? Le frère Chora, il vient pas à l'hôpital. C'est pas normal, ça, quand même. Mais il est où? Il vient pas te rendre visite. Regarde-moi, ces chrétiens, ils n'ont rien compris.
la joie. Une mauvaise joie. Il dit, pourquoi tu pleures? Dieu m'a abandonné. Oh, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. C'est écrit ou pas? Il le sert pleure. Pourquoi tu pleures? Ah, mais. Ah, parce que le frère, là, il m'a promis le mariage, mais il est parti avec une autre sœur. Oh, vraiment, tout ce que je ne comprends pas dans ma vie, rien ne va, tout ça. Vraiment, ce n'est pas possible, personne ne se marie, tout ça. Oh là là. Oh! On n'a même pas mis un pistolet sous ta tempe. C'est juste le mariage. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je ne sais pas pourquoi ça sort là. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui est concerné ici. Le caractère. Qui a besoin du caractère de Christ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Voilà le caractère. On parle des sentiments qui étaient en Christ. L'humilité. Un jour, des frères ont insisté, des jeunes ont insisté pour m'offrir un véhicule. Je dis, non, j'ai déjà un véhicule. Non, nous, on veut t'offrir un véhicule. Je dis, non, je refuse. Ils disent, non, on te... Bon, je dis, ok, d'accord. Ils sont allés m'acheter la BM série 5. Toute option. Une fusée. 215 chevaux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est énorme. En général, les véhicules, c'est 95 chevaux, hein, la moyenne. Hein, voilà. Toute option. Boîte auto, machin, tout ça. Waouh! J'ai dit, waouh, Seigneur! Il y a peut-être quoi, 5-6 ans là, quelque chose. Il m'amène le véhicule, tout ça. Il récupère le véhicule que j'avais. Je rentre dedans. Je dis, oh, Seigneur, c'est magnifique ça pour la mission. Oui, on cherche toujours à se rassurer, quoi. Hein, à avoir une bonne conscience. C'est pour la mission. Alors, je prends le véhicule, je vais sur l'autoroute, la 6 là. Pouh, sur la bretelle, j'appuie sur le champignon, fusée. Et sur l'autoroute, je décélérerai un peu, à 110, à 90. Et je vois un gros camion qui me double, me dépasse. Je dis quoi? Moi, avec une belle voiture comme ça, je me fais déplacer par un gros camion comme ça, qui ne dépasse même pas 120. Je dis non, je me rabats sur la gauche. Pouah, ouah, je regarde comme ça, je dis, voilà. Et je sentis mes épaules être comme ça. Et une douce voix qui m'a dit, orgueil. Je dis, ça y est, je suis en train de mourir là. Et le lendemain, le véhicule tombe en panne. Je l'amène chez le garagiste, 150 euros. Je dis, ouh. Je rentre chez moi, la semaine d'après, de nouveau en panne. 150 euros, je dis, ça y est, je suis à plein temps, je commence à être ruiné. Alors, je vais mettre la pression sur les frères pour avoir l'argent. J'entends la voix du Seigneur, il faut t'en débarrasser. Et je ne comprenais toujours pas. Et la troisième semaine, le moteur commence à fumer. Waouh, je l'amène chez un garagiste congolais parce que lui, au moins, il est moins cher. Il est moins cher. Il me dit, le moteur est fini, est cassé. Oh! Donc, je le ramène, là, le véhicule. Et puis, il y avait un voisin un turc qui voulait un véhicule comme ça. Et puis, je lui dis, écoute, je le vends. Je l'ai bradé. Le gars, il prend le véhicule, il va en Turquie avec, il revient, ça marche. Le moteur ne fume plus. Frère, quand je m'en suis débarrassé, je sentis la délivrance, le repos, la paix, la joie. Je suis allé prendre une Toyota. C'est pas pour faire la pub, hein. Mais j'étais à l'aise. Le caractère. Quand Yeshua dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume, ça veut dire que les violents par rapport au caractère. C'est-à-dire que tu vois une belle femme comme Joseph. Tu prends tes jambes à ton cou, tu tailles. Tu cours. Caractère. L'église. Demain, on va rentrer dans la mission de l'église. Mais ce soir, c'est juste une introduction. Frère, Dieu nous enseigne. Par rapport au caractère, là, le Seigneur va te façonner, va te briser, mais à un tel degré. Et ne pensez pas que le brisement s'arrête. Hein. En fait, Dieu ne se plaît pas à
nous briser. Mais il le fait parce que nous sommes durs. Les Écritures nous disent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu crains Dieu et qu'une affaire bizarre t'arrive là, c'est que Dieu est en train de te travailler. Paul était attaqué par un démon. C'est écrit, non? 2 Corinthiens 12. Il se retourne vers le démon. Au lieu de se retourner vers le Seigneur. C'est-à-dire un homme comme vous et moi. Hein. Il était faible comme nous autres. Il dit, démon, au nom de Jésus-Christ, sors de là. Quitte. Le démon, il ne bouge pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive là? Il n'était pas en lui, le démon était à côté. Mais il le fouettait à chaque fois. Démon, va-t'en d'ici. Le démon, il le regarde. Il ne bouge pas. Il dit, bon, il faut que j'aille consulter mon Dieu. Père, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Et Paul a dit, oh, d'accord. Dieu lui dit, mais pour ne pas que tu sois enflé d'orgueil à cause des révélations que je te donne, là, mais j'ai demandé à ce démon d'être là. C'est écrit, non? Une écharde dans la chair. Dieu lui a mis une écharde dans la chair. Et le démon était là aussi pour le fouetter, pour que Paul reste humble. Il n'était pas en lui. L'homme, là, l'homme est compliqué. L'homme est dangereux, l'homme. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux, méchant. C'est-à-dire, l'homme ne connaît même pas. Si tu penses te connaître, là, c'est faux. Tu ne te connais pas. La preuve est que quand tu es face à une situation donnée, tu peux réagir avec une telle violence qui peut te dépasser, t'étonner, te surprendre. C'est moi qui ai fait ça? Bah oui, l'homme. Il y a des hommes, après 30 ans de mariage, découvrent encore leur femme. S'aperçoivent qu'ils ne connaissaient pas leur femme. Et inversement. Ah, l'homme. Le cœur de l'homme est comme un abîme. Voilà pourquoi Dieu, au fur et à mesure que nous avançons avec lui, il nous façonne, il nous taille, il nous émonde le caractère. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes échouent par rapport au caractère. Nous prenons le cas d'un homme politique. Il avait une vocation, un appel. Vous voyez, non? Il avait une mission. Il avait aussi des capacités. Parce que c'est un économiste, hein? Un monsieur très calé. Donc, il avait des capacités. Mais il a échoué par rapport au caractère. Il avait l'appel, la vocation. Un, il avait une mission, une vision. Deux, il avait des capacités. Il n'était pas chrétien, bien sûr. Et quatrièmement, le caractère fait défaut. Parce qu'il aime les femmes. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette femme. Il débarque, qui fait son ménage. Et l'autre n'a pas compris son appel, a oublié sa mission. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand il a vu cette femme-là, il y a eu une pulsion. Ah ah! Qui n'a pas su gérer pas? Parce que dans le caractère, il y a aussi le contrôle de soi. Dans Galates 5, 22. Ouais, lisez ça. On va le lire. Galates chapitre 5, verset 22. Regardez bien le caractère, c'est important, mes amis. Donc, l'Église, selon la vision de, hein, ou l'Église de Yeshua, l'Église de Dieu. Et là, ce soir, nous développons sur, bien sûr, le caractère de l'Église. Et là, Galates 5, 22, on nous dit, Galates chapitre 5, verset 22. Alors, là, je suis dans Jacques. Galates. Alors, vous savez, le problème des Galates, c'était quoi? Les Galates étaient très, très versatiles. Voilà. Trop instables. Voilà pourquoi Paul va, justement, leur parler des fruits de l'esprit, du caractère. Ils ont commencé par l'esprit,
Et ils ont fini par la chair. Donc ils avaient besoin de ce message, justement, pour être stables. Et là, Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience ou la persévérance, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Ah, voilà un fruit que très peu de chrétiens demandent à Dieu. Le contrôle de soi te permet de contrôler les cinq sens. Les cinq sens. La vue. Hein? Les sens de l'homme. Les cinq sens. La vue. Avec le contrôle de soi, tu peux gérer ton regard. Tu vas contrôler tes yeux, ce que tes yeux voient. Tu vas sélectionner. Donc, ça fait partie du caractère. Parce que quand on parle du caractère, là, comme vous savez, le caractère, il y a le caractère de Christ, il y a le caractère des hommes de ce monde, hein, du monde. Maintenant, si tu as le caractère de Christ, dedans, ben, vous avez quoi? Vous avez l'amour, vous avez la joie, vous avez la paix, vous avez la bonté, vous avez la bienveillance, tout ça. Vous avez le contrôle de soi. Parlons du contrôle de soi. Pourquoi le contrôle de soi? Parce que nous sommes des humains et nous avons des sens, hein, les cinq sens. Hein, et il y a la vue. Et par la vue, tu peux tomber. Voilà. David était avec la femme de Bathsheba, la femme de d'Uri, son officier, à cause de la vue. Il n'a pas su maîtriser. Vous voyez, tu vois automatiquement les yeux. Hein, donc, au niveau de ton âme, là, il y a une connexion là, entre les yeux et le cœur. Et là, automatiquement, le cœur, là, l'âme, là, te dicte. Vas-y, t'as vu? Elle est belle, non? Il est beau, non? Eh bien, vas-y, prends. Ève, c'est comment? Dieu, Ève passait certainement tout le jour devant l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, n'est-ce pas? Alors, elle passait certainement devant, et un jour, Satan se dit, eh bien, comme ce sont des êtres avec des sens, eh bien, je vais m'en servir pour les avoir. Eh bien, tiens, Ève, viens, regarde ce fruit, regarde cet arbre-là. Et la Bible nous dit que la femme a vu. La femme a vu. Ah, a vu. Vous voyez? Et Satan opère de la même manière avec nous tous, là. Tous, la vue. C'est pour cela que si vous voulez accomplir votre mission sur terre, il faut avoir, n'est-ce pas, du caractère. Il faut avoir, n'est-ce pas, les fruits de l'esprit. Et ce monsieur donc, a manqué le contrôle de soi. Il était dans sa chambre et voilà une femme qui vient pour servir, pour nettoyer la chambre. Et là, ben, il a cédé alors qu'il aurait pu être président de la France. Il aurait pu être président de France. Voilà. Mais voilà un acte. Voilà un besoin, le besoin charnel, sexuel. Voilà, n'est-ce pas, un plaisir de quoi, même pas 10 minutes, à détruire toute une carrière, toute une vie, hein, tout un espoir, à détruire la confiance que les gens mettaient en lui. Certains. C'est terrible. À détruire en même temps son couple. Parce que la femme a divorcé. C'est parti. Voilà David qui, n'est-ce pas, a vu Bathsheba. Et là, eh ben, il a pris cette femme, la convoitise. Et ensuite, eh ben, voyez les conséquences de cet acte, l'inceste est rentré dans sa famille. Vous voyez, sa propre fille va être violée par son propre fils. Vous voyez, c'est terrible, Tamar. Vous voyez, et ensuite, vous avez quoi? Absalom, tout ça qui va être dans la rébellion, qui va chasser son père du pouvoir, qui va prendre le pouvoir, qui va mourir. Ça va loin, hein? Le manque de contrôle de soi. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, l'Église du Seigneur doit comprendre qu'elle a un appel, qu'elle a une mission, une vision, qu'elle a reçu l'onction, hein, les capacités que Dieu lui a données, hein, que Dieu a données à chacun de nous, à ses membres. Et cette Église, maintenant, pour réussir sa mission, doit avoir le caractère. Philippiens 2 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou une usurpation, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, voire la mort de la croix. Waouh ! Quel sentiment ! On le cloue sous la croix. Il saignait, il se vidait de son sang. La première parole qui sort, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh ! Le caractère, c'est le pardon.
Tu ne dois pas pardonner parce que quelqu'un s'est excusé, parce que quelqu'un t'a demandé pardon, parce que quelqu'un s'est repenti. Tu dois pardonner avant même que la personne ne se repente. Parce que quand Yeshua a dit « Père, pardonne-leur », aucun de nous ici ne s'était repenti. Waouh! Le caractère, le contrôle de soi. Il y en a qui veulent contrôler les autres et ils ont du mal à se contrôler eux-mêmes. Le contrôle de soi, c'est le contrôle des sens, la vue. Lui, qu'est-ce que tes oreilles entendent? Parce qu'à force d'entendre des mauvaises choses sur des frères et sœurs, tu finiras par accorder du crédit à ces paroles qui peuvent te nuire, te détruire. Le temps de réaliser qu'on t'a trompé, que ce sont des véritables enfants de Dieu, tu auras perdu des années, du temps. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est terrible. Donc tu dois contrôler tes oreilles. Vous avez vu? Regardez bien. La vue est reliée au cœur. Tu vois quelque chose de beau, ton cœur le désire aussitôt. Tu entends des choses, ça touche ton cœur. Waouh! La langue est aussi liée au cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ça, c'est terrible. Regardez bien, c'est comme si vous avez ici le cœur et vous avez ici, les yeux, une connexion, les oreilles, langue. Vous vous rendez compte? Donc, tout est relié au cœur. Et c'est le cœur, justement, qui est le siège du caractère. Alors, on comprend pourquoi le Seigneur a dit, voilà les deux commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée. Or, les mauvaises pensées proviennent du cœur, de toute ta force, toujours le cœur, de toute ton âme, donc le cœur. Vous voyez? Ah! C'est terrible, hein? Parce que tout commence dans le cœur. Des grands projets commencent dans le cœur. Tout projet que l'on a. Tous les projets que l'on peut avoir, c'est au niveau du cœur. Que le cœur est comme un laboratoire. Comme une racine, je dirais la racine de l'homme, c'est son cœur. Et ce cœur-là va être, n'est-ce pas, cette racine qui va aller puiser, chercher la sève. Et cette sève-là va être, n'est-ce pas, redistribuée, envoyée partout. Et ça va détruire ton intérieur si ce cœur ne tire pas cette sève de la parole de Dieu. Oh Seigneur. Donc, vous avez la vue, la langue. Galates 3 nous dit que la langue est un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. La langue. C'est pour cela même avant de dire que quelqu'un n'est pas de Dieu, il faut bien réfléchir. Parce qu'on peut blesser des frères. La langue. C'est terrible. Et vous avez le toucher. Le toucher. Et aussi, le toucher, ça a aussi un rapport avec le cœur. Le cœur, toujours. Regardez bien. Si quelqu'un
te frôle un peu, te touche un peu là. Hein, vous savez, les caresses là, ça amène quoi? Ça attise quelque chose au niveau du cœur. Tu te colles à quelqu'un, tu sens que ton cœur commence à réagir. Vrai ou faux? Ben voilà. C'est quand même terrible hein, de voir que c'est le cœur qui gère les cinq sens là. L'odorat, c'est ça non? Le dernier sens, hein? Et aussi relié au cœur, mon Dieu. Waouh. Donc en fait, on réalise que. En fait, ce que je vous dis là, je viens d'apprendre ça en même temps. Hein, on réalise qu'en fait, le cœur est au centre et le cœur, eh ben, il gère la vue, gère lui, gère la langue, gère le toucher, gère l'odorat et les cinq sens aussi peuvent gérer notre cœur. En fait, c'est comme des portes, voyez, d'entrée. Et c'est terrible, voyez. Et maintenant, regardez, parmi les cinq sens, vous avez des portes d'entrée, vous avez, par exemple, vous avez le toucher. On te caresse là, le cœur est touché. Voyez, tu es blessé, c'est au niveau du cœur, tu sens ça. Ah, j'ai mal au cœur, tout ça là. Et si quelqu'un te caresse, ah là là, vraiment, tu sens tes poils, hein, c'est rissé, tout ça là. Hop, les oreilles, pareil, des portes d'entrée. Les yeux. Maintenant, la langue, c'est elle qui exécute les ordres du cœur. Donc, en fait, les yeux informent le cœur. Le toucher informe le cœur. Les oreilles informent le cœur. Maintenant, une fois que le cœur est bien informé, bien rempli d'informations, hein, visuelles, auditives, tout ça, hein, par la toucher aussi, eh bien maintenant le cœur va dire à la langue, maintenant exécute. Je prends un exemple. Tu es comme ça dans la rue, tu es chrétien, tu vois une belle femme, ou dans l'assemblée, et tu regardes, tu la convoites, tu la désires, ou un homme. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les yeux donnent des informations au cœur, parce que le cœur ne voit pas. Le cœur maintenant dit aux yeux, ben moi, je vous fais confiance. Maintenant que vous m'avez donné l'information, eh ben je veux envoyer maintenant ma servante, la langue. Alléluia. Et la langue maintenant, d'abord le cœur va dire à d'autres servantes qu'il a. Les jambes et des serviteurs les pieds. Bon, approchez la personne. Arrêtez-vous là. La langue, oui, maître. Parle. La tchatche. Ah, tu es belle. Oh, merci. Le cœur dit, continue. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, il n'y a pas de problème. Demain à midi, ok, le rendez-vous est pris. Et le lendemain à midi, le cœur donne des ordres à d'autres serviteurs qu'il a, qu'il gère, le sexe. Allez, entre en action, passe à l'acte, tac, la personne perd tout. Après 5 minutes de plaisir, fini. Où la personne se marie avec la personne, la mauvaise personne, et s'aperçoit que cet homme n'était pas chrétien ou chrétienne, cette femme ne l'était pas. Eh bien, là, ton appel, tout est cassé. L'odorat. Ça sent bon, ça sent bon. Et le cœur te dit, le cœur dit maintenant, j'ai reçu l'information. Bouche, oui. Main, oui. Exécuté. Le cerveau dit, mais nous sommes en jeûne. Le cœur dit, non,
Pas aujourd'hui. Coupez ça. Et te voilà dans la cuisine. Dieu, tu me comprends, je travaille dur aujourd'hui. Alléluia. Et une fois que tu as mangé, tu sens la tristesse. Tu as honte, tu veux te cacher parce que tu vois les yeux de Dieu. Tu ressens que les yeux te regardent. Qui a déjà vécu ça? Alors, qui comprend mieux? Qui comprend bien pourquoi il faut avoir le contrôle de soi? Le cœur dit, poitrine, oui. Aujourd'hui, mettez-vous en valeur. Corps, oui, mettez-vous en valeur. Mais les yeux plus que si. Talons. Le frère, il met un haut, comme certains Congolais aiment mettre ça là. Hein, le ventre bidon comme ça, un haut très serré. Je dis, mais ils n'ont même pas honte. Ou quelqu'un, ou d'autres frères des Antilles, hein, ou d'autres Français. Hein, mais ils ont un problème. Oh. Ou d'autres sœurs, tu vois, là, dans le métro comme ça, le ventre en l'air, hein, un petit haut comme ça, là, le ventre, le bidon en l'air, on voit le piercing, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, frère? C'est le cœur. Voilà pourquoi quand le cœur se convertit, automatiquement, il donne des ordres. J'aime pas ce vêtement-là. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Change ça. Et puis ça se couvre. Avant de sortir, tu te changes mais 4 ou 5 fois. Tu te regardes. Non, tu sens dans ton cœur, c'est pas ça. Le cœur dit non, je ne suis pas d'accord. Ok. Alors ça va ça comme ça là? Non. Et là, alors ça, c'est parfait là. Vous voyez là? C'est pour cela, la religion, c'est l'extérieur. Allons lire. Romains chapitre 2. J'espère que le Seigneur nous enseigne. Hein. Trop, hein? Vous voyez, quand il nous enseigne lui-même, on apprend mieux que quand on va préparer des enseignements, tout ça, et à l'avance. Enfin, bref. Romains chapitre 2, regardez bien ce que le Seigneur dit, au verset 28. Ah, ça, c'est magnifique. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Voilà la religion, vous avez vu, non? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, Romains 2, 28 nous parle de la religion. La religion, c'est tout ce qui a trait au physique, tout ce qui a trait aux apparences, toutes les choses qui frappent le regard. Voilà pourquoi si vous allez dans les religions, vous allez voir qu'ils ont ces gens ont des beaux bâtiments, des belles cathédrales, des belles bâtisses, tout ça. Et les pasteurs sont toujours bien sapés, tout ça, pour frapper le regard. Les choristes sont toujours bien habillés pour frapper le regard. Vous voyez, il y a des estrades qui sont bien décorées. Vous avez des versets placardés sur le mur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Tout ça. Tout ça, là. Ce faste-là. Ça frappe le regard. Ah, oh, c'est beau. Le pasteur s'habille souvent en blanc. Il fait des gestes comme ça quand il prie. Il regarde comme ça, là. Sur Facebook, il y a des belles images. On dit waouh. Il y a sa femme à côté qui est bien présentée. Waouh. Vous voyez, c'est ça la religion. Et Dieu dit, le juif, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences. C'est terrible, hein? Dieu dit aux juifs, aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines, de saleté, tout ça. En fait, la religion cache la saleté. Vous voyez? Tel un fruit dont l'extérieur est très, très joli, attirant, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. Tel un véhicule dont la carrosserie est belle, dont la peinture est belle, mais le moteur est malade, cassé. Voilà la religion. Oh, c'est beau ces bâtiments. Oh, c'est bien décoré. Oh, c'est immense.
Oh là là. Oh ben ça. Et Paul continue, dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Waouh! Donc le vrai christianisme, la vraie église, la vraie foi consiste dans la transformation du cœur, de l'être intérieur, de l'homme intérieur. Ce que Dieu veut changer, ce n'est pas notre corps physique, parce qu'il ne va pas tellement changer. Si tu es noir, tu resteras noir. Si tu es blanc, tu resteras blanc. Tu mesures 1m50, à moins que tu n'aies 12 ans. Là, on peut comprendre que tu vas grandir un tout petit peu. Mais c'est quand même, voire même beaucoup, si, ça dépend. Mais sinon, arrivant à cet âge, on ne grandit plus. Voyez ? Donc, c'est pour dire que ce que Dieu veut changer, c'est l'intérieur. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Ah, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc regardez, la religion, c'est le judaïsme. Moïse, c'était tout ce qui était charnel. Le temple était charnel. Les sacrifices étaient charnels. C'est-à-dire, on pouvait les toucher. Le temple était visible. C'est ça, Moïse. Moïse, c'est tout ce qui, c'est la lettre. Vous voyez ? Les combats sous Moïse étaient physiques. Les épées étaient physiques, non ? Ben, Yeshua, c'est l'esprit. Vous voyez ? Ben voilà. Le premier homme, le premier Adam était dans la chair. Le dernier, le deuxième Adam, est un esprit qui vivifie. Donc, c'est pour nous montrer que la vraie Église n'est pas celle que l'on a connue, que l'on connaît aujourd'hui. Le fait de dire, je vais à l'église. Dieu ne connaît pas ça, Dieu n'entend pas ça. On ne va pas à l'église. La vraie église, c'est celle du cœur. Ce sont la vraie ecclésia, c'est-à-dire les rassemblements que Dieu veut, ce sont des rassemblements des cœurs. Quand Yeshua dit, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis là, il ne parle pas forcément de rassemblement physique. Parce qu'on peut ne pas être physique dans un même endroit, hein, physiquement dans le même endroit, et être unis en esprit. Hein, voilà, Paul dit, physiquement, je ne suis pas avec vous, mais en esprit, nous sommes un. C'est comme si j'étais là. C'est ça, la véritable Église. Nous, on a compris les choses charnellement. Là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est là. Donc, du coup, on va chercher forcément à se mettre physiquement avec des gens, même des sorciers, mais quand même ensemble, prions. Même des impudiques, prions quand même, ça ne marchera pas. C'est pour ça que ce rassemblement physique, là, parfois, là, on ne sent rien. On se retrouve là, alors pour prier, là, c'est lourd. Ça ne décolle pas. On sent qu'il n'y a rien qui se passe. Ça vient, ça crie, il est là, il n'est pas là. Mais parfois, tu vas parler avec une sœur au téléphone qui est en Australie. Vous commencez à peine à prier, tu sens que, il y a quelque chose là. Je veux dire, pas forcément quelqu'un qui te caresse là, vous comprenez, non? Tu sens que ça coule. Qui a déjà vécu ça? Voilà. Parce que vous vous êtes assemblés. Comprenez, Dieu est esprit. Dans l'esprit, là, en esprit, il n'y a pas de limite. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se retrouver physiquement. Attention, il ne faut pas déformer mes propos. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de se retrouver physiquement, on doit d'abord se retrouver en Christ. Unis en Christ. Voilà. Pas ceux qui font des voyages astro là, qui vont se retrouver dans l'autre monde là-bas. Non, nous nous retrouvons en esprit, en Christ. On est unis en Christ. Voilà. Alléluia. Voilà. Le juif, c'est celui qui est intérieur. Alors l'intérieur, là, seul Dieu peut le révéler. Seul Dieu peut le voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens par rapport à leurs apparences. Non. Vous allez voir une église composée que de noirs, les gens vont penser que ouais, Dieu est là. Non. Ça, c'est l'apparence. Une église, il n'y a que des blancs, non, il est là. Non, il n'y a que d'arabes, non. Il n'y a que des métis, il n'y a que d'asiatiques, non. Ne voyons plus les choses comme ça. C'est vraiment important. Paul dit, la circoncision, c'est celle du cœur. Or, le cœur, on ne le voit pas. Le cœur dont il est question ici, ce n'est pas le cœur physique. Hein. C'est le cœur spirituel. C'est l'homme intérieur que Dieu veut circoncire. Dieu veut changer, transformer.
Et une fois que ton cœur est circoncis, eh bien, Dieu te donne, n'est-ce pas, les moyens pour être, pour avoir le contrôle de soi. Tu peux avoir affaire à un bel homme. Tu sens que tu es touché, mais tu dis non, je ne veux pas toucher. Tu as affaire à une femme qui est belle. Tu as affaire à l'argent, à beaucoup d'argent. Tu peux rencontrer des riches, des milliardaires, mais tu ne te laisses pas, n'est-ce pas, épater par ces gens-là. Tu ne te laisses pas emporter par eux parce que tu sais en qui tu as cru. Tu connais celui en qui tu as cru. Alléluia. Tu peux faire la différence. Même si l'homme que tu veux épouser ne veut pas de toi, mais tu ne vas pas baisser les bras. Non. Tu dois savoir ce que tu veux. C'est Yeshua qui doit être notre priorité. Alléluia. Voilà l'évangile. Oh Seigneur, sauve-nous. Le caractère. Donc, on a vu des gens qui avaient une grande vocation, un grand appel, comme dans le monde, Strauss-Kahn et plein d'autres, comme dans la Bible, avec Samson, par exemple. Une grande vision, comme Samson, celle de libérer tout un pays. Et une grande force, une grande onction. Mais il a échoué. Hein? Il a échoué au quatrième test. Le caractère. Il a perdu les sept tresses qui représentaient la sainteté. Il a dévoilé le secret à Dalila. Dalila. Vous voyez? Et la parole nous dit que Dalila l'a maîtrisé après. Waouh! C'est terrible. Regardez bien combien des pasteurs ou des femmes de Dieu, des femmes qui avaient reçu une mission terrible, une grande vision de la part du Seigneur, beaucoup parmi ces gens-là perdent leur appel, leur onction, leur vision à cause du manque de caractère. Et très souvent, c'est à cause du sexe. Hein? Voilà. Même dans le monde, hein, regardez bien la plupart de nos ministres là. Voyez? Donc, c'est pour vous dire que même ceux qui nous gouvernent, ils vendent nos pays juste parce qu'ils sont tombés sur une femme et ils vont tout donner. Et même ceux qui gouvernent, ceux qui manipulent, c'est, en fait, ceux qui arrivent à s'accaparer de nos pays, là, passant par, utilisant des femmes, eh bien, ils savent, ils connaissent ceux qui le font. Là, ils savent que ces ministres, là, ces hommes là, sont faibles. Alors, ils envoient des femmes pour les maîtriser. Et ces ministres leur livrent des secrets. Dieu disait aux Hébreux, une fois que vous serez dans le pays de Canaan, et si quelqu'un de vous veut être roi, il ne faudrait pas qu'il ait plusieurs femmes. Et malheureusement, Salomon n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a eu 700 femmes officielles, 700 princesses. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire des alliances pour ne pas que ses rois, les parents de ses princesses, attaquent son pays. Mais il a oublié, Salomon a oublié que Dieu seul protège. Il a fait des alliances qui lui ont coûté la vie. Et 300 concubines. Et la parole nous dit que chacune de ces femmes était venue en Israël avec ses divinités. Et Salomon leur a bâti des hôtels. Hein? Leur a fait construire des hôtels. Vous rendez compte? C'est pour cela un dirigeant qui veut atteindre ses objectifs doit avoir le contrôle sur ses sens, le contrôle de soi, ce fruit, doit se battre tous les jours pour ne pas céder aux pulsions sexuelles. Ne pensez pas parce que vous êtes marié, parce que vous êtes femme ou homme, que vous êtes délivré, libéré de ces pulsions-là. Notre chair est toujours là. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc la Bible dit que la chair a des désirs. Chaque homme, qu'il soit chrétien ou païen, a son côté animal. Voilà, l'homme animal. Et seule la grâce de Dieu, seule la puissance de l'esprit, la puissance de Yeshua, notre maître, peut nous aider à contrôler ces pulsions-là. Parce que si vous tombez avec une femme, en tant que dirigeant, vous allez détruire tous les gens qui comptent sur vous. Ce sont des millions de gens que vous allez détruire. Et vous allez vous détruire vous-même.
Vous vous rendez compte? C'est pour cela même les gens qui veulent diriger leur pays, là, il faut qu'ils aient dans cet enseignement-là. Parce que la plupart de nos présidents là, ont un problème avec, avec le sexe. Des ministres, des autorités, avec le sexe. On a des problèmes, le contrôle de soi. Celui qui n'a pas le contrôle de soi, là, quand il va, s'il y a un tout petit peu d'élévation, de responsabilité qui lui est donnée, il va perdre le contrôle au point de prendre toutes les femmes. Quelqu'un, tant qu'il est en bas, tant qu'il n'a aucun poste, aucun pouvoir, aucune responsabilité, aucun poste à responsabilité, il va, bon ben, voilà, il va rester, entre guillemets, sage. Voyez ? Mais dès l'instant où il a une responsabilité, un pouvoir de décision, un pouvoir sur l'argent, dès l'instant où il a les moyens financiers, des ressources financières, eh bien, comme il n'y a pas le contrôle, eh bien, ils deviennent fous. Ils vont tout dilapider. Dans les femmes, l'alcool, les voyages, ils cassent tout. Aussi bien dans le monde que dans les églises. Quelqu'un qui n'est pas encore pasteur, qui n'a pas de gens à diriger, il va rester humble, frère, sœur, tout ça. Mais vous lui confiez la gestion d'un groupe, la gestion de quelque chose. Hein, commence un tout petit peu à enseigner. Ça y est, les épaules deviennent comme ça parce qu'il y a des belles paroles qu'on lui donne. Ah, tu enseignes bien, tu prêches mieux qu'un tel. Ah, tu es un grand enseignant, un grand docteur. Vous voyez, toutes ces paroles-là, ben, tu les écoutes. Les oreilles, hein, toujours. Hein, les portes d'entrée. Tac, tac, le cœur commence à se dire, ben, t'es quelqu'un. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu commencent à regarder dans leurs assemblées, à se dire, eh ben, cette femme mariée, eh ben, moi je la veux. Et cet homme qui n'est pas marié, eh ben, moi je le veux. Eh ben, cet homme qui est riche, eh ben, je veux prendre sa richesse. Tout ça, eh ben, on va déformer la parole, on va se servir de la parole pour manipuler, pour détourner l'argent des frères et sœurs. Et c'est terrible. C'est une chose d'être élevé, ça n'est une autre, de rester dans l'élévation, hein, de garder cette position élevée, hein, tout en restant humble, hein, en refusant de manipuler les frères et sœurs, de se servir de cette position pour se faire de l'argent, hein, pour se faire servir, tout ça là, et se faire porter sa Bible, se faire ouvrir la porte de sa voiture, se faire, n'est-ce pas, nettoyer sa maison, tout ça, et se faire rendre service, c'est terrible. Là, c'est là que ça coince. C'est une chose d'être élevé. On peut être élevé facilement. Dans un monde où la technologie est telle que, eh ben, si tu fais, tu donnes un message, ça peut être diffusé à l'instant même, en direct, dans le monde entier. C'est une chose, tout le monde te découvre. Wow. Mais c'en est une autre, de rester élevé et jusqu'à la fin de sa vie, d'aller de gloire en gloire. Ça, c'est une autre affaire. C'est pour cela même ceux qui nous gouvernent, là, ils doivent entendre ce message. Ils doivent entendre l'évangile. C'est important. Le contrôle de soi. Il y a beaucoup d'argent qui passe par tes mains. Comment gérer? Comment faire pour être intègre? Tu as affaire à des femmes qui sont belles, tout ça, des hommes qui sont beaux. Tu les rencontres ici, là, dans le cadre de ton travail. Dans le cadre de ton travail. Comment faire pour ne pas chuter? Tu as affaire à des gens qui sont méchants. Tu travailles avec des gens qui sont très méchants, qui ont un caractère irascible, qui ont un caractère acariâtre, qui sont racistes, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, peu importe. Comment faire pour ne pas tomber dans leur piège? Tu as des gens qui t'insultent alors que tu n'as rien fait, des gens qui te critiquent alors que tu n'as rien fait. Tout ça, comment faire pour ne pas, n'est-ce pas, tomber dans leur piège parce qu'ils veulent t'entraîner avec eux dans les murmures, dans les combats charnels? Comment faire pour tenir, comment faire pour fermer ses oreilles, pour ne pas écouter leurs niaiseries, leurs histoires? Comment faire pour ne pas faire cas de ce qu'ils disent? Tout ça pour continuer ta route. Et ça, pour y arriver là, on a besoin de ce don-là, de ce fruit-là, le fruit de l'esprit. On a besoin du contrôle de soi sur le caractère. Satan sait que tu as un grand appel. Satan sait que tu as une grande mission. Satan sait que tu as des grands dons que Dieu t'a donnés, que tu as une grande onction. Mais maintenant, il veut t'avoir, il veut nous avoir sur le caractère. Et Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu agrée ceux et celles qui se laissent façonner par son esprit et qui ont le caractère de Christ. Quand il le regarde, il voit son fils Yeshua. Vous voyez?
Et Dieu les agrée. Quand il regardait Job, il disait à Satan, t'as vu mon serviteur Job? Ben Job était, c'est écrit, un homme patient, un homme qui aimait Dieu malgré les difficultés. Job n'avait pas renié Dieu. Vous voyez, ces chrétiens qui vont à chaque fois attribuer à Dieu leur malheur, leur combat, eh ben Dieu ne peut pas, Dieu ne va pas les agréer. Vous voyez, ces chrétiens qui baissent les bras face à une persécution, une petite persécution, ils ne comprennent pas parce qu'ils écoutent trop les gens. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu vieillis, quand est-ce que tu vas te marier? Tu sais, tu vieillis, quand est-ce que tu auras un enfant? Tu écoutes les propos des gens qui te cassent, qui te cassent, qui te cassent. Et bien, tu vas vouloir faire des choses pour leur plaire. Et là, tu vas déplaire au Seigneur. Tu vas être disqualifié par le Seigneur, rejeté par le Seigneur si tu ne fais pas attention. Alors, il faut plutôt fermer ses oreilles et fermer ses yeux et boucher sa langue, faire se servir de ta langue pour adorer le Seigneur et continuer à avancer. Écoute plus Dieu que les hommes, plus Dieu. Dans Genèse 15, pour finir, Dieu parle à Abraham. Dieu lui dit, tu auras un fils parce qu'il se plaignait. Et Dieu lui dit, compte les étoiles du ciel, telle sera ta descendance. Compte le sable de la terre, telle sera ta descendance. Abraham a eu confiance, nous dit la parole au Seigneur. Dans Genèse 16, sa femme va lui dire, prends ma servante. Et il a écouté. Alors qu'il venait à peine d'écouter le Seigneur. Si tu écoutes plus les hommes, tu vas échouer dans ta mission. Tu dois plus écouter Dieu. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe leurs propos. Si tu es convaincu que Dieu t'a parlé et que la parole est avec toi, eh bien, avance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, beaucoup vont te dire, tu n'écoutes pas, ils n'écoutent jamais. Ben oui, mais vous qui écoutez le Seigneur, où sont vos fruits? Voilà. Moi, j'ai toujours entendu ça, ils n'écoutent pas. Ben, eux, ils tombent, ils repartent dans tout ce qu'ils ont vomi. Et bien, grâce au Seigneur, on avance. Voilà. Donc, il faut plus écouter le Seigneur. Ceux qui marquent leur génération, l'Église qui veut aller jusqu'au bout de sa mission, c'est l'Église qui écoute plus le Seigneur. C'est pour ça que Yeshua a dit, dans Deutéronome 6, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël. C'est-à-dire, entends, comprends et obéis. J'entends un son, je dois le comprendre. Parce que si je dis, Kaofé, tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas. Seuls nos frères des Antilles, nos frères et sœurs comprennent. Il y a encore là, si tu es Guadeloupe, c'est ça au fait, Kaofé. Mais on comprend. Alléluia. Vini, c'est ça, non? Donc, vous voyez, tout le monde, on peut comprendre. Yaka, tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas. Donc, écoute, Shema Israël, Shema Israël. J'entends, je comprends le son, et parce que j'ai compris, je peux obéir. On ne peut obéir à un ordre que si on le comprend. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, eh ben, l'Église qui avance, l'Église qui l'agrée, c'est l'Église qui entend, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il en... C'est répété plusieurs fois dans les Écritures. Ah bah oui. C'est terrible, hein? Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Donc, chemin, c'est j'entends un son, j'entends l'Évangile, je le comprends, et... J'obéis. Voilà. J'exécute. Ce soir, vous avez entendu. J'espère que vous avez compris et que vous allez obéir. Alléluia. L'Église de Yeshua, mon Ecclésia. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. C'était l'introduction ce soir. Et demain, si Dieu permet, on va continuer dans cet élan. Que Dieu vous garde. Et au nom de Yeshua, on acclame le Seigneur notre Dieu pour sa parole, frères et sœurs. Merci Seigneur, Père de gloire. Toute la gloire te revienne. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous te magnifions, toi le seul véritable maître, le maître des maîtres. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la majesté. Béni soit ton nom. Gloire à Jésus. Voilà. God bless you, on a fini.